Jean-Marc Turine, peut-être maintenant, si tu veux bien t'approcher du micro, pour nous présenter, Jean-Marc Turine, écrivain réalisateur, pour nous présenter un extrait du film autour des amis sur le groupe de la rue Saint-Benoît. Et on va s'en rendre compte. Donc, Dionys, vous voyez sa photo, c'était quelqu'un qui avait un charme fou, tu l'as dit toi-même, Edgar. C'était une pensée, c'était une présence et c'était aussi une voix. Ah oui. Et là, tu vas nous faire entendre sa voix. Oui, et son visage également. Mais je veux rappeler un fait, c'est qu'en 1989, fin 89, si je me souviens bien, Jean Mascolo a émis le souhait de faire un film sur et avec son père. Il avait fait quelques années auparavant un film avec et sur sa mère et en co-réalisation avec Jérôme Beaujour. Il m'a proposé de co-réaliser le film. Mais c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est que Dionys a spontanément accepté. Et c'est lui qui a proposé le sujet, c'est-à-dire, si tu veux faire un film sur moi, il faut faire un film avec les autres qui ont été avec moi dans le groupe de la rue Saint-Benoît. C'est Dionys qui a dressé la liste de tous les intervenants. Il a proposé à Jean-Pierre Saez de mener les entretiens. Et les intervenants, il y en avait, je ne sais plus combien. Dans mon souvenir, il y en a deux refus. Il y a eu René-Louis Desforêts qui a refusé, semble-t-il, parce qu'il ne nous faisait pas trop confiance, et Alain Trutat. Et Alain Trutat était à l'époque directeur des programmes à France Culture. Et lorsqu'il nous a reçus dans son bureau, il nous a dit « Je ne participerai pas au film parce que moi, je suis un homme de radio, je ne veux pas être dans une image, mais quand vous aurez fini votre film, venez me voir et vous ferez vos émissions radio. » Et effectivement, nous avons pu réaliser 5 heures d'émissions pour France Culture. Ce qui a été réconfortant, c'est que Louis-René Desforêts a téléphoné à Jean Mascolo pour lui dire qu'il regrettait de ne pas avoir participé au film parce qu'il avait trouvé l'expérience absolument magnifique. Et voilà, vous allez avoir maintenant un quart d'heure de Dionys qui évoque les amis de la rue Saint-Benoît. C'est une réaction élémentaire devant la régression que représentait le pouvoir personnel incarné par le sauveur de Gaulle. Nous craignons même la venue en France d'une sorte de franquisme à la mode française, enfin. La majorité de ce qui a constitué le 14 juillet pensait qu'il y avait dans la venue au pouvoir de ce général ce que Maurice Blanchot a nommé la perversion essentielle. Perversion essentielle, je crois. Oui. C'est-à-dire bien, un pouvoir de salut, disons. Le pouvoir de salut quasi religieux, donc qui suspend. Qui considère comme secondaire les exigences proprement politiques, la lucidité du citoyen. Le citoyen, autrement dit, déléguant tous ses droits, tous les droits dont il jouissait jusque-là, à une puissance de salut quasi mystique, incarnée par ce général, qui avait été le sauveur, etc. Alors justement, vous voyez en De Gaulle à l'époque le fossoyeur de la République, quelque chose comme un nouveau Pétain, le porteur d'un nouveau fascisme éventuellement, et vous le déclarez également inapte à résoudre la guerre d'Algérie. Au bout du compte, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé sur toute la ligne? Ah non, pas du tout. Pas du tout. De Gaulle en 4 ans, près de 4 ans. A accumulé machiavéliquement les retournements. Vous vous souvenez sans doute au moment de sa prise de pouvoir à Alger, son « Vive l'Algérie française », son « Je vous ai compris » aux colons. Et eh bien, écoutez, ceux
ceux des colons français qui, militants, qui devaient fonder l'OAS et qui en ont voulu à mort à De Gaulle, à commencer par Bastien Thiry qui a tenté de le tuer, se considéraient à très juste titre comme trahis. De Gaulle les avait trahis. Tout cela, je ne sais pas qui saura si De Gaulle avait prémédité cette trahison. Si autrement dit, s'il était vraiment dans le mensonge machiavélique en disant tout d'abord vive l'Algérie française, pour ensuite proposer, je crois, ce qu'il avait appelé la paix des braves, puis ensuite accepter l'indépendance de l'Algérie. Mais ce machiavélisme n'était-il pas nécessaire pour obtenir la paix en Algérie? Écoutez, un machiavélisme nécessaire, c'est celui qui, en tout cas, met de côté le peuple. Alors, je ne vois pas de machiavélisme nécessaire, non. Comité des intellectuels français contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord. Car au moment où il a été fondé, il y avait la question de la Tunisie et du Maroc aussi. Peu après, il devait devenir le comité, etc., contre la poursuite de la guerre en Algérie, puisque seule l'Algérie était en cause encore un peu après. À quel moment est créé ce comité d'action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Algérie? À l'automne 55, je crois, à l'automne 55. Nous publions, une énorme, il y a plusieurs réunions, une réunion inaugurale, ah mais oui, mais même... ça a été l'occasion pour Breton a assisté à la réunion inaugurale et il a dit que ce comité donc contre la poursuite de la guerre en Algérie avait été l'occasion pour les surréalistes de sortir d'un isolement politique où ils étaient confinés depuis la fin de la guerre, malgré tous leurs efforts pour en sortir, quelque chose d'analogue. Beaucoup d'écrivains, y compris des écrivains qui étaient assez éloignés de nous en pensée, comme Mauriac ou Martin Dugard, ont adhéré à ce comité. Nous avons publié alors... régulièrement, un bulletin qui était renéotypé par les soins des éditions du Seuil, je crois. Oui. Vous vous réjouissez d'une certaine façon de ce rapprochement avec Breton et les surréalistes? Ah oui, évidemment. Et il y a d'ailleurs, il y aura à nos réunions directrices, c'est-à-dire aux petits groupes que nous formions, qui notamment donnaient lieu à la rédaction d'un bulletin, il y aura à chaque réunion un envoyé du groupe surréaliste, c'était à l'époque Gérard Legrand, qui appartient donc au noyau directeur du comité. Et quels étaient les autres animateurs de ce comité? Mes souvenirs sont un peu incertains, mais il y avait en tout cas Edgar Morin, Robert Antelme et Marguerite Duras, bien entendu, Edgar Morin, Louis-René Desforêts, je crois, sûrement Claude Roy, Robert Cherami. Alors, parmi les membres, il y avait très peu, parmi les adhérents, il y avait très peu de membres du PC. Il y avait cependant, qui sont toujours restés proches de nous, tout en restant affiliés au parti, Hélène Parmelin et Pignon. Je crois que des gens comme Giacometti, Matta, ou des galeristes même, vous ont aidé pour monter ce comité. Vous avez probablement raison, je suis incertain, je risque de confondre avec la période du 14 juillet, mais après tout, nous ne sommes que le 14 juillet, c'est en 58, là nous sommes dans les années 50. Peut-être déjà, en effet, Giacometti, Matta, d'autres peintres encore, et
nous recevions des dons. Enfin, c'est ainsi qu'était financé le comité. Une polémique vive vous oppose à un autre intellectuel de droite, celui-là, Jacques Soustelle, qui est gouverneur, qui représentant la France en Algérie. Est-ce que vous vous souvenez de... Oui, très bien. En effet, il avait été nommé gouverneur général de l'Algérie. Il était le maître tout-puissant du pouvoir colonialiste français en Algérie. Et comme nous étions intitulés Comité des intellectuels français, etc., il a trouvé bon de publier, je ne sais plus où, un texte intitulé « Lettre d'un intellectuel à quelques autres ». Et à quoi j'ai été amené à répondre moi-même, c'était signé, je crois, en tout cas ça a été publié dans le bulletin, mais ça a été publié aussi dans la revue de Maurice Nadeau, « Les lettres nouvelles », une réponse assez dure, intitulée « Intellectuel et gouverneur ». Où, naturellement, je le traînais en dérision, notant qu'il y avait incompatibilité entre la qualité d'intellectuel et celle de gouverneur. Oui, dans le deuxième numéro du 14 juillet, Maurice Blanchot publie un texte intitulé « Le refus », qui est un texte de toute beauté et qui peut trouver une application tous les jours dans le monde que nous vivons aujourd'hui encore. À un certain moment, face aux événements publics, nous savons que nous devons refuser. Le refus est absolu, catégorique. Il ne discute pas, ni ne fait entendre ses raisons. C'est en quoi il reste silencieux et solitaire, même lorsqu'il s'affirme comme il le faut au grand jour. Les hommes qui refusent et qui sont liés par la force du refus savent qu'ils ne sont pas encore ensemble. Le temps de l'affirmation commune leur a précisément été enlevé. Ce qui leur reste, c'est l'irréductible refus, l'amitié de ce non, certain, inébranlable, rigoureux, qui les rend unis et solidaires. En faisant le bilan des différentes actions collectives auxquelles vous avez participé, est-ce que vous arrivez à percevoir la part des hommes de pensée sur le cours des choses? Vous savez, l'influence des hommes de pensée sur le cours des choses, elle est indéniable, mais elle s'accomplit par des voies souterraines qu'il est très difficile de reconstituer. La diffusion lente de certaines pensées, de certains refus, de certaines indignations, de certaines révoltes, puis le moment où elles atteignent une intensité suffisante, elles touchent un assez grand nombre pour avoir un effet même sur les détenteurs du pouvoir, tout cela est un processus en général très lent, sauf dans les périodes que l'on appelle précisément pour cela révolutionnaires. Et évidemment, ce sont les périodes que nous souhaitons de tout cœur, mais qui ne sont pas là, ne se présentent pas du jour au lendemain. Les périodes révolutionnaires sont proprement celles où il y a une accélération du passage de l'idée dans les faits, dans l'état de choses. La notion d'esprit d'insoumission qui définirait la ligne de votre action signifie-t-elle qu'il
faut s'insoumettre tout le temps à n'importe quel pouvoir. À la rigueur, oui. C'est-à-dire, sinon qu'il faut s'insoumettre, du moins, ne pas se soumettre à n'importe quel pouvoir, puisque tout pouvoir est par essence provisoire, imparfait. Il représente un point du progrès, du progrès de l'humanité sortant de la misère peut-être, mais il est encore misérable. Tout pouvoir est misérable. Tout pouvoir est détenu par des impuissants qui se sont résolus précisément pour avoir le pouvoir à leur impuissance. Mais le pouvoir n'est-il pas inéluctable? Ne faut-il pas le considérer justement de manière pragmatique du fait de son inéluctabilité? Il est inéluctable, et de même l'esprit d'insoumission, si vous voulez, ce que je veux dire, la faculté de refus, se refuser à tenir pour valable l'état de choses, c'est l'attitude qui prouve l'existence, je ne dirais pas même d'une intelligence, mais l'existence de l'âme. On voulait le bien des gens en vue de soi. On voulait la liberté des gens en vue de soi. On voulait tuer aussi, même si on ne savait pas. On voulait tuer. On voulait casser. Les intellectuels ne cassent pas, ils ne tuent pas. Donc on ne l'a pas fait. On était ce qu'on appelle des révolutionnaires. Et nous, quand on l'est à 20 ans, on le reste. Et nous sommes des vieux révolutionnaires. Oui, des révolutionnaires. Vieux. Dionys Mascolo, c'est encore avec Jean Schuster que commence à prendre forme le projet qui deviendra le manifeste des 121. Dans quelles circonstances ce projet naît-il ? Eh bien, je dirais, il m'a été inspiré par un jeune ami qui était peut-être menacé lui-même d'être mobilisé, et qui me disait que beaucoup de ses camarades, des gens de son âge, avaient décidé de fuir, de se dérober à l'appel, de s'insoumettre, donc de ne pas répondre à l'appel, puisque, comme vous savez, le contingent était mobilisé dans la guerre d'Algérie. Et alors, j'ai proposé à Jean Schuster, je lui ai dit qu'il me semblait que le moment était venu peut-être d'essayer d'intervenir à ce propos publiquement en demandant à chacun de se prononcer sur la situation de ces jeunes gens, donc, qui étaient provoqués à aller commettre des infamies dans un pays envahi par l'armée française. Quel était le propos de la déclaration des 121 ? Eh bien, vous le savez, le titre même qui a été suggéré par Maurice Blanchot, tardivement d'ailleurs, le titre même le dit, Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Dans la guerre d'Algérie, chaque Français était, on lui attribuait donc, le droit de s'insoumettre. C'est un droit inédit. C'est la proclamation d'un droit qui n'avait pas encore de nom, qui n'était pas encore reconnu. Qui ne sera pas reconnu, qui sera tout au plus toléré, amnistié au cours des mois. Ce manifeste a divisé les intellectuels de gauche, les intellectuels engagés. Pourquoi ?
Essentiellement, je crois, parce que, en plus de la proclamation du droit de s'insoumettre, il se déclarait solidaire de ceux qui apportent aide et protection aux combattants algériens. Ici, certains de nos amis, souvent proches, ont reculé. Ils voulaient bien encore approuver, et encore, je ne suis pas sûr, peut-être approuver que de jeunes Français refusent de servir dans l'armée d'oppression, mais ils n'allaient pas jusqu'à approuver ceux qu'on a appelés les porteurs de valises, c'est-à-dire ceux qui aidaient concrètement les combattants algériens. Comment comprendre cette division entre intellectuels de gauche suscitée par le manifeste des 121 ? Est-ce que d'une certaine façon, elle ne recouvre pas une division entre les partisans du FLN, que seraient les 121, et ceux qui ne voulaient pas choisir un camp algérien ? Je crois que la distinction est fallacieuse. Elle a été, je crois, oui, en effet, mise en avant, mais elle ne correspondait pas à la réalité. Il n'y avait pas, en fait, deux camps algériens. Il n'y avait deux combattants réels, il n'y avait que le FLN. Il n'y avait donc pas à choisir. Des partisans de Messaliadj était, je crois, en résidence surveillée à Belle-Île, en France. Il était d'inspiration politique certainement plus de gauche ou internationaliste que les gens du FLN, mais nous n'entrions pas dans ces considérations. Tout de même que je me souviens d'avoir eu contact avec un déserteur allemand et je n'aurais pas accepté qu'il me demandât. Mais dites donc, vous êtes nationaliste ou communiste, vous ? Je l'aurais envoyé paître. Il n'avait pas à me demander mon identité politique, je veux dire, puisque simplement je luttais contre l'oppression. Mais en n'entrant pas dans ces considérations, est-ce que vous n'avez pas oublié justement les messalistes et est-ce que vous n'avez pas soutenu d'une certaine façon un parti qui allait s'avérer être un parti unique, donc un parti totalitaire ? Oui. Quelle importance. Nous n'avions pas, encore une fois, à demander l'identité politique des gens que on opprimait en notre nom. Merci. Merci à Jean-Marc Turine d'avoir revisiter ce film. C'est un film qui, pour ceux qui seraient intéressés, qui dure environ 4h30. Donc, vous voyez, vous pouvez vous immerger dans cette histoire grâce aux témoignages et notamment à celui d'Edgar Morin et puis d'un certain nombre de ceux que l'on a évoqués. Moi, je voudrais vraiment remercier le Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d'information, de nous avoir permis de rendre cet hommage à Dionys Mascolo, de nous pencher aussi sur notre histoire présente, notre condition actuelle et de réfléchir à la manière de résister à cette oppression qui, de toute façon, est toujours là, nous menace toujours. Et puis, je voudrais remercier Edgar Morin, et c'est à lui que reviendra le mot de la fin. Vous allez pouvoir l'applaudir, mais je crois qu'il voulait s'exprimer auparavant, avant que nous nous séparions. Edgar. Merci, mais d'abord, te remercier, toi qui étais quand même l'organisateur et l'initiateur de cette soirée où nous avons ressuscité Dionys dans sa vitalité. Non, je voudrais conclure sur quelque chose qui, dans le fond, le caractérisait comme il nous caractérisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on avait l'esprit profondément, je dirais, universaliste, pas abstrait, mais c'était partout
la cause des humiliés, des offensés, des opprimés qui nous sollicitaient. Et bien qu'on fût complètement ignorant de l'Algérie, comme je l'ai dit, dès qu'on a su que c'était un soulèvement, n'est-ce pas, d'un peuple colonisé, nous nous sommes mis en mouvement, mais on avait cet esprit qui malheureusement a beaucoup diminué. Et je crois quand même qu'il est très important de penser que nous sommes dans une époque où la mondialisation a créé une véritable communauté de destin de tous les êtres humains, où qu'ils soient, dans tous les continents. Pourquoi ? Parce que tous les êtres humains ont à affronter des problèmes de vie ou de mort. D'abord, la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes nucléaires, l'hégémonie toute puissante de la spéculation financière, la multiplication d'une économie qui n'est pas régulée et qui effectivement est prise et possédée par cette sorte de délire du profit ininterrompu, la multiplication des crises, des fanatismes ethno-religieux, et de penser que de ce cours de la mondialisation est propulsé par la science qui n'est pas contrôlée, par l'économie qui n'est pas contrôlée, par la technique qui n'est pas contrôlée, par la finance qui n'est pas contrôlée. Bref, nous avons un problème humain fondamental. Et alors que nous avons cette communauté de destin dont nous devons prendre conscience, la crise mondiale, au contraire, conduit aux différentes populations, à différentes, de se refermer sur eux-mêmes, sur leur particularisme ethnique et national, à avoir peur des émigrés, à avoir peur des réfugiés, à avoir peur des étrangers. C'est-à-dire, la tragique paradoxe, c'est qu'au moment où on a besoin de cette solidarité mondiale qui était déjà présente en esprit, je dirais, dans les internationales qui ont existé, les quatre internationales, et qu'aujourd'hui, il s'agit de transformer ces internationales en un esprit de citoyenneté terrestre. On est des terriens, on est tous des humains, à travers nos diversités, à travers nos différences, mais nous avons désormais un péril commun, un destin commun, un avenir commun, essayer de forger. Eh bien, c'est ça qui était présent dans nos esprits, c'est ça qui doit aujourd'hui, qui manque, je crois, à tous ces mouvements merveilleux qui se sont manifestés, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai parlé de la France, mais je dois dire que j'en ai vu dans d'autres pays, j'en ai vu au Brésil, j'en ai vu en Colombie, j'en ai vu dans d'autres, c'est-à-dire partout ce même besoin surgit. Mais ce n'est pas relié. Et je pense que si nos mouvements, nos aspirations ne trouvent pas une conscience humaine de terre, de communauté, moi ce que j'ai appelé la terre-patrie, si nous ne nous sentons pas que nous sommes tous, que chacun d'entre nous, on est un moment, une particule d'une aventure formidable et incroyable, qui est l'aventure de l'humanité, comme on sait dans la préhistoire, et qui va on ne sait où, dans un destin inconnu, mais que dans le fond, nous devons essayer d'orienter. Si nous n'avons pas cette conscience, je crois que nous ne ferons rien, et je crois que ça fait partie des messages de Dionysse.